Mon nom est Roch Leclerc. Alors, nous allons regarder ensemble la solution du numéro 8 du premier laboratoire qui porte sur la programmation des algorithmes. Alors, l'algorithme qui nous est présenté, on demande à l'usager d'entrer un nombre entier qu'on initialise à 0. Ensuite, on en fait la lecture. On demande à l'usager de saisir un nombre entier. Et ensuite, ce que l'on vérifie, c'est la condition du nombre. Alors, en utilisant une structure conditionnelle if-else, alors si, sinon, alors ici on évalue si la valeur du nombre 1 est plus grande que 0, alors on affiche un message à l'écran. Alors, on va tout simplement dire que le nombre saisi est plus grand et supérieur à 0. Dans le cas où il est plus petit, alors ici, on utilise un sinon, et là, on va utiliser une deuxième structure décisionnelle, à savoir si le nombre est plus petit que 0. Alors, à ce moment-là, on va indiquer que le nombre est inférieur à 0. Sinon, en fait, le dernier sinon ici indique tout simplement que le nombre est identique à 0. Alors, on va avoir deux structures de vérification, une dans l'autre, dans ce qu'on appelle des if-else imbriqués, qui vont permettre de vérifier les trois états possibles de la valeur qui a été saisie. Alors, on a nombre 1, alors on va déclarer notre première variable, le nombre 1 qui est une variable de type nombre. Ensuite, comme d'habitude, nous allons initialiser. Alors, initialisation de la variable. Alors, ici, on peut dire de la variable puisqu'on n'en a qu'une seule. On ajoute une ligne de code. Alors, affecter valeur à variable. Alors, ici, on va affecter la valeur 0 à nombre 1. Ensuite, on va ajouter une ligne de code, un nouveau commentaire, saisir une valeur, lecture de la valeur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une instruction, entrer un nombre, et ensuite on a une instruction de lire. Alors, afficher un message à l'usager. Alors, afficher un message. Alors, entrer un nombre. Et là, on pourrait dire entier. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Oui, on peut le préciser. De toute façon, les conditions énumérées ici, les conditions qui sont vérifiées, même si c'est un nombre de type décimal, on va effectivement également, les conditions vont pouvoir être évaluées quand même. Ensuite, une nouvelle ligne, alors, ensuite, ça va être lire la valeur, nombre 1. On va ajouter tout simplement ici un saut de ligne, tout simplement pour faire en sorte que nos messages sur l'état de la valeur soit pas collé après notre lecture. Alors, un espace, un ajout de ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Comparaison, on appelle ça comparaison. Alors, on va mettre un commentaire. Comparaison. Ensuite, on ajoute une ligne. Et alors, ici, on va ajouter, ici, on a de nouveaux boutons qu'on n'a pas utilisés jusqu'à maintenant. Ajouter si alors. Alors, on va ajouter un si non ici. Alors, si nombre est plus grand que 0. Alors, on a une condition si sinon. Alors, si le nombre est plus grand que 0. On va afficher un message. Sinon, on va afficher un autre message. Mais dans le cas ici, comme on a une condition qui est imbriquée dans l'autre, on peut à ce moment-là ajouter une deuxième condition tout de suite. Alors, et avec un autre sinon. Et ça va être ici, ça va être si
nombre 1 est plus petit que 0. Alors, ça se complexifie un petit peu, là, mais c'est pas trop... Alors on peut tout de suite, là, compléter notre code pour la première ici. Alors, si nombre 1 alors, est plus grand que 0, alors... Et là, on a le début du signe. Alors, ça veut dire que c'est notre condition. Alors, il peut y avoir plusieurs instructions. Ici, qu'est-ce qu'on voulait mettre? On voulait écrire nombre 1. Alors, afficher variable. Alors, nombre 1... On va ajouter une ligne ensuite, puis afficher un message, un espace, est supérieur à 0. Point. Retour à la ligne. Alors, ici, notre condition ici, alors on affiche nombre 1, est supérieur à 0. Alors, ça, c'est notre premier. Sinon, alors on a notre ici, sinon, début du sinon, et dans l'intérieur du sinon, on a une deuxième condition ici. Alors ici, ce qu'on va faire, on va instruire cette instruction ici. Alors, on va tout simplement afficher la valeur, alors afficher nombre 1, on va ajouter une nouvelle ligne, et afficher ici... Alors ici, c'est plus petit que 0, ou alors est inférieur à 0, point, retour à la ligne. Alors ici, on a notre deuxième signe ici, qui est ici. Ça fait bien des signes. Et enfin, le dernier sinon ici. Alors dans le cas ici, alors on va tout simplement afficher la variable le nombre 1. Et on ajoute une ligne et on affiche un message est identique à 0 ou est égal à 0. On peut ajouter un retour à la ligne. Alors, on a nos conditions. Alors, important de maîtriser cette partie-là parce que dans nos programmes, plus on va évoluer, plus on va avancer, plus les programmes vont insérer des conditions d'évaluation. Alors, si on teste notre algorithme, alors on nous demande d'entrer un nombre entier. Alors, si on entre le valeur 5, par exemple, on me dit 5 est supérieur à 0. Alors, c'est bien. On relance notre algorithme à nouveau. Si on entre, par exemple, moins 3, alors on me dit moins 3 est inférieur à 0. C'est bien ça. Et si on entre la valeur 0, alors on me dit que 0 est identique à 0. Alors, dans le cas où on doit vérifier, lorsqu'on a des conditions comme ça, nos conditions doivent rencontrer tous les états possibles, toutes les possibilités. Et en plus, lors de la vérification de notre code, pour s'assurer que notre code répond bien à nos exigences, on doit vérifier chacune. C'est pour ça que j'ai entré 3 valeurs possibles que l'usager pourrait saisir. Alors, je vous remercie de votre attention.